Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, et bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Nous allons dans le quatrième mois où cette star a disparu ici. Si vous ne savez pas, nous allons vous dire. Le 12 août dernier, à la télévision, nous avons appris la disparition d'une star. Et environ 4 mois plus tard, j'ai encore du mal à y croire. Quand j'ai regardé ça, ou bien quand je regarde ça même, à chaque fois, je remets ma tête parce que j'ai du mal à comprendre, même à accepter une disparition si brusque. Et ce qui est encore vraiment terrible, c'est que malheureusement, toute chose passe. Quand la parole de Dieu nous dit que c'est seule la parole de Dieu qui ne passera pas, c'est vrai. Toute chose passe. Au départ, ça nous a fait mal. On a bien crié, on a pleuré, on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont réagi. Mais toute chose passe malheureusement. Et chacun va à ses occupations. Et les gens ne font que dire maintenant. Il était une fois X. Il était une fois X. Waouh. Des gens, comme cette star-là, elle a existé un jour. Comme on le dit chez nous, nous sommes tous de passage sur cette terre. Mais nous devons marquer notre histoire par notre manière de faire. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir tout ce qu'il faut, il faut tout mettre en œuvre. Dieu, voyant toutes ces choses, nous a dit, si vous voulez avoir longue vie, respectez votre père et votre mère. Là, Dieu lui-même, il a compris que sur la terre ici, c'est difficile d'avoir longue vie. Vraiment dur. Mais ceux qui veulent vraiment, qui aspirent à vivre heureux, que ces personnes respectent leur père et leur mère, et pas seulement ça, que ces personnes-là soient justes dans leur voie, que ces personnes-là évitent des coups bas, des choses cheloues, des bails noirs, des contrats avec le diable, tout ça. Parce que le diable ne peut pas bénir, il n'est que là pour réduire l'espérance de vie des gens. Mon frère, c'est vraiment triste. C'est une chose qui me touche quand même. Ça me touche depuis hier. Je veux faire cette vidéo là. Ah, mon frère, toi tu regardes cette vidéo, tu partiras un jour. Ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, tu partiras un jour aussi. Mais il faut partir dans de très bonnes conditions. Il faut que ta fin soit bonne et non vraiment tragique. Il faut que tu termines très bien ta vie, ma soeur. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie pour que ton départ soit une joie pour nous. Mon frère, il faut le croire. Ça ne sert à rien de chercher à impressionner les gens si à la fin, tu perdras ton âme. Nous, la parole de Dieu nous parle de ça. Que serait-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Pourquoi Dieu a-t-il parlé ainsi maintenant? Pourquoi Dieu a-t-il parlé maintenant comme ça? Que serait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que tu peux vendre ton âme au diable. Que les gens t'apprécient, les gens t'aiment, les gens crient ton nom, et que même après tout ça, quand tu vas mourir, les gens continuent toujours à crier ton nom, ou bien tes funérailles soient grandioses. N'est-ce pas ce que les gens cherchent souvent? Mais tout ça, ce sont des choses éphémères. Les gens vont crier ton nom, vont vraiment t'aimer, vont vraiment manifester une joie. Peut-être même que
ils vont organiser un événement le jour de ta mort ou bien le jour de ton anniversaire. Mais le problème, c'est que tu es déjà parti. Et toi, tu es face à l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer là-bas maintenant? Est-ce que tu es avec Dieu ou bien tu es avec le diable? Sur la terre ici, là. Chaque jour que Dieu fait, des gens sont en train d'entrer dans le monde de Satan. Ils sont en train de devenir des serviteurs du diable. Et ces gens-là font tout et du n'importe quoi. Et quand ils meurent, ils se retrouvent dans le monde du diable là-bas. Le diable leur dit, venez, vous êtes ici, c'est mon monde. En fait, c'est l'enfer, quoi. C'est mon monde, c'est ici, c'est votre royaume. Puisque pendant que vous étiez en vie ici, la terre, vous m'avez servi d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez honoré. Vous m'avez même adoré. Donc, venez, vous allez rester ici avec moi. Que sert-il un homme de quel le monde super son âme? À quoi sert-il à l'homme toute cette souffrance qui se donne sous le soleil? Vanité de vanité, toute est vanité. Regardez toutes les belles voitures, les gens travaillent dur. Vous n'imaginez pas comment les gens sont obligés de travailler dur pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Comme vous le voyez ici sous le soleil, parce que ça me fait plaisir d'être là. Mais c'est ce que nous devons faire. Parce que c'est la vie. Mais nous devons chercher Dieu d'abord. Nous devons chercher Dieu d'abord. Parce que sur cette voie-là, il y a trop de vilaines choses. Il y a trop de vilaines choses. Il y a des filles qui s'intéressent à la vie facile. Elles meurent tôt. Par exemple, il y a un problème même qui est en train de se passer ces temps-ci. Vous savez, les filles-là, les jeunes filles de maintenant sont devenues trop étranges. Elles disent que elles sont des go de haute classe. C'est-à-dire des filles qui ne sortent pas avec des petits gars, quoi. Donc, elles vont maintenant aller chez nos papas. Ça peut me faire rire. Mais c'est ça. Et leur travail, là, c'est d'abord de se sortir avec les hommes âgés. Et quand vous leur posez la question, ça me dit pourquoi vous faites tout pareil. Elles disent, mais ils me donnent de grands portables, ils me donnent de portables très chers. Ils s'occupent de moi. Donc, où est le problème? Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Sans même savoir qu'elle est en train d'écouter sa vie. Elle est en train d'écouter sa vie comme ça. Et la question que les gens posent ici, là, ça, déjà même, ça les met dans les problèmes. Toi-même, le gars, il a 25 ans, il va sortir avec une femme qui a l'âge de sa mère ou bien qui a 50 ans, un truc de ce genre. Tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Si c'est la gens qui cherchent, elle va t'en donner. Mais le problème là, c'est que il y a des gens qui sont des sorciers, des satanistes. Et ces gens-là peuvent écouter votre vie. Quand ces gens ont fini de coucher avec vous, il faut aller faire des prières mystiques. Et dans cette prière-là, ils vont prendre votre sang que vous avez fait entrer en ces personnes-là pendant le rapport sexuel. Et ils vont réduire votre vie de deux. Ils vont diminuer votre espérance de vie. Si toi qui es là, on t'enlève par exemple 10 ans sur le temps que tu dois mettre sur la terre pour vivre, est-ce que ça va même te plaire? Il y a un tas de choses comme ça qui écoutent la vie des gens. Nous allons vous expliquer. Nous sommes ici en cours en famille. Ah! Il y a certaines personnes qui sont le bois, les féticheurs. Pour que ces féticheurs-là puissent juste les rendre riches. Et pour y arriver là, les gens ont fait un tas de trucs. Maintenant, au fin de faire tas de trucs bizarres. Le féticheur maintenant va jeter des graines. Il va faire sortir un coq. Mais s'il vous plaît, un poulet. Et il va dire, écoute, tu vois le poulet qu'elle a là. C'est le poulet qui va... C'est-à-dire, en fonction du nombre de graines que le poulet va consommer, c'est là que tu vas vivre. Donc si le poulet a consommé 20 graines, tu es sauvé. Mais veulent encore, on va diviser par deux. Là, tu auras 10 ans seulement de succès. Donc, 10 ans de vie. Après ça, là, tu meurs en même temps. Et ça se passe vraiment. Ça se passe dans le monde mystique. Ça existe.
Le diable a des pouvoirs, ce sont des pouvoirs vilains comme ça, il a transporté avec lui et il est en train de traumatiser les enfants des gens ici. Si vous aimez les belles voitures, les belles maisons, c'est bien. Si vous voulez travailler dur, c'est une bonne affaire. Mais le diable peut vous attirer vers lui et écouter votre vie parce que quand vous signez, même les gens, ces gens sont les mêmes signés, quand on dit signer, là, il y a un signe des accords avec lui. Des accords pour avoir telle ou telle chose. Et ces accords aussi, ils écoutent la vie des gens. Maintenant, tu vas partir. Tu es mort. À quoi maintenant a servi tout ce vacarme que tu as fait sur les réseaux sociaux? À quoi maintenant a servi tout ce que tu as pu avoir dans ta vie, comme les belles voitures, les belles maisons et tout ça? Ça n'a servi même à rien. Ceux qui vont rester vont se partager, il n'y aura même plus rien. Mes frères et sœurs, c'est triste. Et après ça encore, s'il y a eu des gens qui t'ont aimé, ils vont pleurer un peu. Mais après, ils vont même t'oublier comme si tu n'as jamais même existé. Ils parleront de toi dans ce sens-là. Il était une fois. Il était une fois X. Il était une fois Y. Il était une fois telle personne. Toi, mon frère, pendant ta vie, pendant que tu es encore en vie là, pour faire la part des choses, commence à bien ranger ta vie, évite de coucher avec les filles, n'importe comment. Ça aussi, ça réduit l'espérance de vie des gens. Ça va te rendre vieux. Tu as bien vite vieilli. Parce que tu gaspilles toute ton énergie dans le bavre des femmes. Fais attention, je dois te dire quand même la vérité. Nous sommes en famille. Si on se rebond ici, c'est quoi ce qui se passe? Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Mon frère et soeur, c'est une chose assez étrangissime, mais ce sont des réalités. Si les gens vous proposent de faire des trucs chelous pour avoir du succès, ne les écoutez pas parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu perds la vie dans ça. Après, Dieu même va te demander des comptes. Dieu t'a prêté ton corps, t'as utilisé ton corps pour faire des trucs bizarres. Tu penses qu'il va te regarder dans ton délit? Dieu existe, hein? Le diable existe, vous, ça, tout le monde, quand on parle des féticheurs là, tout le monde ici croit. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des canaries même chez elles. C'est-à-dire, elles croient beaucoup à son canari qu'à Dieu. Elles croient beaucoup à des pouvoirs occultes qu'à Dieu lui-même. Quand tu lui parles de Jésus-Christ, elle te dit, tu sais, ce que tu dis, c'est bien, mais Jésus, quand même, il ne peut rien faire pour nous. Parce qu'il ne peut pas me donner la richesse. Quand tu leur parles de venir écouter la parole de Dieu, venir à l'église, ils sont en train de dire, écoute, laisse-moi, quand j'aurai 35 ans, mais quand je serai vieux, là, je vais aller à l'église. Oh, Dieu n'est pas vieux. Oh, Dieu. C'est la mec qui a le ciel, la terre, là. Lui n'est pas vieux. Il a même créé sa chose. Il te dit, écoute, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Si tu veux avoir longue vie, obéis à ma parole seulement. Obéis à ce que je te dis. Toi, tu dis, ah, oh, moi, je suis trop intelligent, Dieu, je suis trop, moi, je suis trop intelligent. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Et les gens sont tous dans tous les bains noirs. Il y a même une star de la musique. Elle est même en France là-bas. Ah! Elle a même chanté ce qu'elle ressent. Elle dit qu'il faut que nous, on les laisse faire ce que eux, ils ont envie de faire. Elle dit, laissez-nous faire les choses qu'on veut. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. Et elle dit aussi que même si vous leur donnez la possibilité de pouvoir faire machine arrière, eux, ils n'accepteront pas ça. C'est-à-dire, si Dieu fait descendre lui-même sa main du ciel pour venir leur dire, écoutez, vous avez commis des bêtises, mais moi, je vous tends la main. Je vais vous sauver. Venez vers moi. Ces personnes-là disent que
elles n'accepteront jamais ça. Elles ne vont pas accepter. Parce que le monde de la nuit les plaît bien. Le monde de l'occultisme et du satanisme et de la sorcellerie les plaît bien. Vous avez entendu ça? Quand vous allez à l'église, même le sorcier dit Amen! Oh, c'est le sorcier, hein? Sorcier, sorcière. Nous sommes dans un monde fou. Nous sommes dans un monde fou. Un monde dingue. Où les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit la plupart du temps? On dit, ces personnes avaient de belles voitures, ces personnes avaient de belles maisons, ces personnes étaient jolies, ces personnes savaient faire comme ça, paix à son âme. Et bon, on dit que Dieu accueille son âme. Et si c'était facile, si c'était même si facile, si c'était si facile. Si facile, nous tous on serait au paradis même. Nous tous on serait au paradis, on allait même peut-être même abandonner tout, chercher les femmes. Parce que qui n'est pas femme, qui n'est pas la belle vie, des trucs inutiles qu'ils en font. Nous tous on était dans ces choses, c'est grâce à Dieu, grâce à la parole de Dieu, la manière dont Dieu nous a parlé. Nous on a dit vraiment Dieu, tu es vraiment chic, tu es vraiment intéressant. Ce que tu dis là c'est vrai, nous allons essayer de voir comment on marche. Essayer de revoir notre manière de marcher et nous ranger notre vie parce que mine de rien tu as raison parce que tout ça c'est éphémère. C'est pourquoi on est venu faire Dieu et on s'est accroché jusqu'à aujourd'hui, on lutte. On fait tout pour ne pas tomber dans le péché parce que il y a l'enfer aussi qui est là. Il y a la mort qui supporte les gens n'importe comment aujourd'hui. Qui veut mourir? Est-ce que toi tu veux mourir mon frère? Est-ce que toi tu veux mourir ma soeur? Il faut que je te dise la vérité. À partir d'aujourd'hui là, commence à faire la part des choses. Si toi ta vie là se définissait comme faire plaisir aux gens, c'est-à-dire toi tu veux faire plaisir aux gens, même pour faire plaisir aux gens, même tu es prêt à faire des trucs chelous, s'il te plaît, il faut voir un peu ta politique. On voit ta politique là-dedans. Parce que même si tu veux, il faut regarder un peu ce qui se passe. Parce que moi, nous sommes, c'est un monde terrible. Les gens ne sont pas reconnaissants. Mais si tu es une star, tu as fait beaucoup plaisir. Tu as même chanté, les gens dansé. Et juste si tu fais une bêtise, ils vont tous t'insulter. Ils vont tous t'insulter. Comme tu as dit, mais what? Que se passe-t-il? Mais c'est comme ça. C'est pour dire que ceux qui sont avec toi peuvent se retourner tout le temps contre toi. Ceux que tu cherches à faire plaisir, peuvent se retourner tout le temps contre toi. Même la preuve, il y a certaines personnes qui ont décidé d'abandonner le monde pour venir à Jésus-Christ. Qu'est-ce que les amis ont dit? Oh non, tu as mal fait, il faut laisser ça. Mon ami revient, viens, on va aller faire les choses d'avant. Ah, on s'amusait bien, on faisait de vraies choses. Oh, le monde est en train de se détruire. Le monde se perd. Dieu même, il est en haut là-bas comme ça. Il est même assis dans son trône là-bas et puis il nous regarde. Il a même pitié de nous, quoi. Parce que pour nous détruire, c'est même facile. Regardez ce qui s'est passé au Japon. Regardez les grands séismes, les catastrophes naturelles. Quand vous regardez ça même, vous-même, vous êtes dépassé quoi. Vous-même, vous êtes même dépassé. Vous ne pouvez pas croire. Moi, j'ai vu des messieurs comme ça. Il y a même fait une vidéo là-dessus. Des maisons se coulaient. Boum, comme si c'était du sable. Quand j'ai vu ça depuis ce jour-là, quand je vois une maison nette, quand je vois une maison, quel que soit la qualité de la maison, même si c'est une maison de luxe, quand je vois la maison, je dis regardez ça. Regardez ça. C'est du sable. C'est même du sable. Quand je vois une voiture,
Je dis, mais regardez la voiture. C'est juste un tas de ferraille. Alors, qu'est-ce qui est important dans la vie de l'homme? Qu'est-ce qui est important? C'est Dieu dans sa vie. La manière dont tu vas servir Dieu, en fait, tes œuvres, conduis-toi bien, accepte Jésus-Christ, marche selon la vérité, sois dans la légalité, évite tes histoires. Tu verras que Dieu va beaucoup t'aider. On dit que nous devons vivre jusqu'à combien d'années? 120 ans. Peut-être une personne qui est décédée à 33 ans. Vous aussi, calculez, ça veut dire que Dieu fait du mal aux gens. Et nous ne pouvons pas nous taire face à ça. Nous avons envie de vous parler quand même, afin que vous-même, vous puissiez faire de bons choix. Parce que le diable peut vous inviter à sa table. Mais vous aussi, vous pouvez accepter ou refuser. C'est parti pour la prochaine vidéo.